super aventure. Ah ouais, ouais. Merci à Benoît d'ailleurs, parce que sans Benoît, cette aventure n'aurait pas été possible. Et tous ceux, bien sûr, qui ont aidé à préparer le bateau, comme Joël, enfin bon, voilà. Mais c'était très... Enfin, c'est pas fini, hein, attention, il y a une deuxième étape qui nous attend. Le Cap Finistère et les côtes portugaises, c'était costaud. On a quand même... c'est là où, bon, on voit que on a eu un problème de moteur, on n'a pas eu de pilote pendant un jour ou deux. Mais bon, on a réussi à réparer et puis c'est reparti, quoi. Et là, c'était assez fatigant, assez éprouvant. Et heureusement, après, hop, on a pu se reposer, et puis on a pu bien repenser à la course et puis et se remettre dans le jeu. Voilà, des trucs à réparer. Et notamment un truc de barre, là, on a eu... à un moment, c'était chaud parce qu'on a un problème de fausse barre. Et la strate et faiblesse de la strate. Et si ça lâchait, ça y est, c'était fini. Alors, donc on a bricolé quelques trucs et puis c'est reparti. Mais c'est Benoît qui bricole. Non, très, très belle course et belle aventure. Et c'est vrai que c'était... à bord, ça s'est très bien passé. Enfin, c'était vraiment sympa. Mais on a eu quand même... On a eu de l'air et de la mer. Hein. C'est vrai que c'était... pour des bisous comme nous, c'était bien.